Bonjour, Gilles alias Crâne-Turart. Crâne-Turart, donc qu'on peut découvrir ici, tu exposes pendant 2 semaines pendant l'Expo International d'Art Plastique de La Rochelle. Voilà, c'est ça. Explique-nous ce que tu fais aujourd'hui. Donc moi aujourd'hui je vais faire ce que j'appelle les politiques modulables. Je prends plusieurs tableaux et je peux montrer comme ça. Là, ça sera corde, on tourne, ça sera corde. Et tout ce sera cancer, que les quatre tableaux peuvent être tournés dans n'importe quel sens. J'ai préparé les attaches pour pouvoir l'attacher dans n'importe quel sens. D'accord, je vois. Okay. Donc c'est des tableaux qui vont ensemble. Oui. Donc c'est ensemble. Alors chaque en politique. Tableau peut être pris séparément. Hein, okay. On peut avoir qu'un seul tableau. Mais on peut aussi avoir les quatre tableaux en carré, en ligne, trois okay. tableaux, deux tableaux, comme on veut. Ok, très bien. Donc en fait, l'avantage, c'est de pouvoir moduler par rapport à l'espace qu'on a. Ok, très bien. Donc dans une certaine salle, on va pouvoir les mettre plutôt en ligne. Et sinon, on peut les mettre en cube, en carré, sur un grand mur, par exemple. Voilà. Okay. Et donc, on peut les retourner chacune dans tous les sens. Ouais. Et en fait, elles vont s'emboîter les unes avec les autres. Donc là, je vois que c'est peut-être dans le cadre du live, on voit que les raccords sont... sur les bords finalement assez simple, mais je vous invite à aller voir le reste du travail de Crâne-Turart, car souvent au contraire vous avez une tranche qui est vraiment très complexe, et pour autant les toiles s'emboîtent bien les unes avec les autres dans toutes les directions. Donc c'est vraiment un travail assez intéressant. Donc là aujourd'hui tu vas réaliser ce quadratique entièrement cet après-midi, tu penses? Ouais, j'espère finir en fait. Il y a des tableaux qui vont être plus simples que d'autres. Celui-là, c'est le bête le plus compliqué. D'accord. Mais Alors, on voit que tu as déjà préparé quand même les motifs là, que tu vas dessiner. Ouais, là, c'est un labyrinthe. Toi, tu pars avec... Ah, là, c'est un labyrinthe. Ouais. D'accord. En fait, il n'y a que deux. Il y a deux serpentins qui s'emmêlent les uns les autres. D'accord. Très bien. Là, on est plutôt... Donc, comme souvent, on retrouve un univers un peu de... Planète, un peu cosmologique, avec des planètes. Ici, je suis sur la partie géométrique, on va dire. Donc, c'est des lignes carrées. Et puis là, c'est plus un délire mi-planète, mi-champignon, on va dire. Ok, très bien. Plus organique. Donc, organique, géométrique, cosmique. Et là, on a quelque chose de plus tentaculaire. labyrinthe, ok. Voilà. Ok, super, bon, on retrouve un petit peu les codes de ton travail en général. Là, tu pars sur des couleurs bleues, jaunes et vertes. Les couleurs, tu travailles toi-même, je sais que c'est toi qui fais ta peinture. Non, mais en fait, j'ai deux palettes. D'accord. Donc là, j'en ai préparé une, c'est dans les jaunes et verts. Et puis une autre, ça va être dans les jaunes et rouges, oranges. Ok, très bien. Bah, on pourra voir le travail final réalisé, il restera ici. J'espère pouvoir finir. Sinon, je le mettrai en ligne sur mon site, bien sûr. Exactement, c'est vrai. On peut te retrouver sur ton site. Donc on va afficher l'URL, donc c'est crâne-turart.com. Donc encore un site tremplin web. Donc voilà, vous pouvez découvrir une autre vidéo d'ailleurs où vous en saurez un peu plus long. Vous pouvez voir des œuvres immenses, parce que Crâne-Turart aime bien peindre sur des surfaces immenses. Donc ouais. Voilà, vous en saurez un petit peu plus. Et n'hésitez pas à venir voir tous les jours pour voir les créations live à La Rochelle, au salon. Là, on est salle de l'Oratoire, par ce beau dimanche après-midi. Merci beaucoup, Gilles, merci beaucoup, Crâne-Turart. Ouais. Et belle créativité à toi, et merci pour ce partage. Ouais.